Hi, this is Tom Tagliatella of Tagliatella Galleries with your Art Legends Minute. Today's legend, Matisse in Notre Dame. In the spring of 1892, Matisse moves to 19 Rue Saint-Michel, a small fifth-floor apartment. He had two windows overlooking the Seine. One looked upriver to the Pont Saint-Michel. The other looked across the river to the Cathedral of Notre Dame. For most of his adult life, Matisse and his family lived in this building with the view of Notre Dame. Over the years, he made many drawings, paintings, and prints of the cathedral. Matisse's friend described a visit to his studio. He saw two paintings of Notre Dame. One very beautiful was the quote, the other lopsided. No one would understand it. Matisse did not exhibit this work for 35 years. When he did, it was called an unfinished painting, but it wasn't unfinished. It was an important experimental painting. Matisse was feeling the pressure of cubism and abstractism and decides to return to the familiar view, Notre Dame, and heavily reworked the painting in blue, black, and green. The painting would not be appreciated until it became an important reference for the new movement, the Abstract Expressionists. It can be seen in New York City at the Museum of Modern Art. Tonight, myself and the staff at Legends express our sincere sorrow for the people of France and the world. And that's your Art Legends Minute. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour, je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur les enterre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis, toujours les le bon, pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies. Ne me laisse au fond rien de vraiment précis, que quelques rides au fond et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires, j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.